départ parler, si vous le dire, Gérard, de votre carrière. C'est une carrière quand même très très atypique, particulière, une trajectoire qui existe peu dans le cinéma français. Et moi, j'aimerais juste savoir comment est-ce que cet amour fou pour le cinématographe, parce que vous dites le cinématographe, comment est-ce que ça vous est arrivé? Quel a été votre premier contact, votre première expérience au cinéma? Comment est-ce que ça vous est tombé dessus? Bah écoutez, il faut que je remonte un petit peu, parce que bon, j'ai commencé à, pendant la guerre, à faire du cinéma, mais enfin à faire sur le tas, si vous voulez. J'ai jamais pris de cours, j'ai jamais rien fait, hein. J'avais 13 ans, tout ça, et j'ai commencé à faire de la figuration, c'était pendant la guerre encore, j'ai tourné dans Les Enfants du Paradis, vous voyez, ça remonte en 44. J'avais déjà tourné avant dans des films, Le Bal des Passons, Guillaume Radeau, bon, enfin tous ces gens ne connaissent pas ces metteurs en scène. D'ailleurs, ils n'ont pas marqué le cinéma d'une empreinte très importante. Et puis, petit à petit, j'ai commencé sur le tas, comme on dit. Et puis voilà, et puis de figurant, j'ai fait des petits rôles, et puis de petits rôles, j'ai fait des rôles un peu plus importants, jusqu'au jour où Duvivier, en 55, alors j'ellipse, hein, parce que sinon je ne vais pas vous raconter ma vie, elle ne serait pas intéressante d'ailleurs, ou peut-être, mais pas dans ce climat, et jusqu'au jour où Duvivier, et alors pourquoi, si on demande pourquoi la figuration, pourquoi les petits rôles, parce que quand j'étais jeune, on me disait, tout le monde disait, moi, j'ai quitté l'école très très tôt, j'ai pas eu la chance comme vous d'aller à l'université. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée. Et bon, je me suis débrouillé tout seul. Et alors, tout le monde dans mon entourage, j'ai quitté l'école très très jeune, j'ai même pas pu passer le certificat d'études d'ailleurs, peu importe. Et tous les gens autour de moi disent, t'as une gentille petite gueule, comme ça, avec les yeux regard de chat, quoi. C'est un peu, ouais. Ah, tu devrais faire du cinéma, tu devrais te débrouiller, comme je ne sais faire rien foutre du tout. J'étais pas très... je ne savais rien foutre. J'ai dit, bon, tout ça, j'habitais avec ma mère, mon père s'était barré depuis longtemps, et il fallait que je travaille et tout. Alors j'ai commencé à faire la figuration. On me disait, t'es mignon. Ah bon, c'est mignon. Bon, alors et en fin de compte, c'est vrai. Bon, ça a marché que sur le physique. Bon, je ne veux pas dire que j'étais un. Vous voyez ? Mais enfin, je vous dis les choses comme elles sont. Et puis petit à petit, eh ben, j'ai eu de la chance parce que malheureusement, il faut de la chance. Je dis malheureusement parce que c'est pas tout de dire je veux faire du cinéma ou je veux faire du théâtre et puis que ça va marcher. Même si on a des qualités, il faut que la chance, que le bol soit là quelque part. Il se trouve que j'ai eu de la chance et que, bon, à partir d'un certain âge, bah, les choses ont marché. J'ai fait mon premier rôle important dans le film de Duvivier, Voici le temps des assassins. Il m'a trouvé dans un bistrot, d'ailleurs. Il ne savait même pas que j'étais comédien. Et ça, je trouve que c'est un grand mérite de sa part. Parce que moi, j'aime bien, en tant que metteur en scène, trouver mes gens en dehors du cinéma. Vous voyez ? Moi, plus les gens sont amateurs et plus ils n'ont jamais fait de cinéma, plus ça m'intéresse. Plus ils ont beaucoup de techniques, beaucoup de métiers, moins ça m'intéresse. Voilà. C'est pour ça que la plupart de mes films ont tous été tournés avec des amateurs. Ça ne m'a pas empêché, avec mes amateurs, d'aller trois fois à Cannes, bien que Cannes, ce n'est pas un critère de qualité, parce qu'il y a autant de mauvais films que de bons films, hein. Alors j'ai ellipsé, là, je reviens, Voici le temps des assassins, avec Gabin et Delorme, et à partir de là, c'était en 55, j'avais 24 ans, bah, les choses sont parties, j'ai tourné le beau Serge avec Chabrol, j'ai tourné les cousins, j'ai eu de la chance. Bon, j'avais sûrement certains dons, heureusement, parce que sinon je ne sais pas où je serais maintenant, et puis voilà. Très rapidement, ce qui s'est passé... pour ma carrière, mes débuts d'acteur, de comédien. J'ai joué au théâtre quand même, bien que j'ai allé dans un cours, mais j'étais très timide. J'étais très timide à l'époque, puis assez complexé, parce qu'à l'époque, les cours de comédie n'étaient fréquentés que par les classes sociales bourgeoises, vous voyez. Il n'y avait pas un petit mec de Montrouge, où j'habitais,
vous voyez, qui était socialement modeste, qui était un peu inculte, assez beaucoup même, peut-être. Et j'étais très, pas complexé, mais par rapport à toute la classe de comédie à laquelle j'allais, mais personne ne voulait passer avec moi, personne ne voulait que je lui donne la réplique, tout ça. Et j'étais déjà assez solitaire, comme, bon. Et bon, ben, il s'est fait que je passais très peu, que j'ai pris très peu de cours et que je me suis démerdé tout seul, voilà. Et à 66 ans, eh ben, je suis où j'en suis, où actuellement à ce que je suis, voilà. Et j'ai fait du théâtre, j'ai commencé par le théâtre quand même. J'en ai pas trop fait, heureusement, parce que comme ça, j'ai pas pris de défaut pour le cinéma. Parce que le théâtre, il faut se méfier. Voilà. Pas les jeunes, parce que les jeunes, ils sont neufs, ils sont... Moi, même les jeunes qui font du théâtre, je les aime bien, parce qu'ils sont encore souples, on peut en faire ce qu'on veut. C'est les acteurs, surtout, les professionnels, ceux-là, je m'en méfie beaucoup, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Gérard, on reviendra sur cet aspect dans un instant, mais j'aimerais que vous nous parliez de cette époque où vous avez été dirigé par Duvivier, par Caillat. Ouais. Votre jeu, à l'époque, vous aviez des repères d'acteurs, vous aviez des comédiens qui vous avaient inspiré. Le cours Simon ne vous a pas appris grand-chose, non, apparemment. Non. Quel était votre style de jeu? Comment vous travailliez à l'époque? Moi, les qualités, si vous voulez, parce qu'il fallait bien que j'ai des qualités quand même pour m'en sortir, c'est que j'étais très simple et les rôles que j'avais à jouer, les personnages que j'avais à jouer, j'ai toujours été très sincère dans ce que je disais. Et je pense, et bien plus intériorisé que la plupart des acteurs, vous voyez. Et par conséquent, je pense que c'est ça qui m'a sauvé. J'étais naturel, j'étais simple, j'en faisais pas trop, je faisais pas de grimaces, je faisais pas... Je pense que c'est ça qui a dû faire... Puis je regardais les acteurs, j'ai dit, mais merde, celui-là, il est mauvais, mais jouait, mais il est grotesque, mais comment il parle ? Carrette, mais comment ils parlent, tous ces numéros d'acteurs qui étaient terribles dans les années... à partir de 35, 36, tous les... Je sais pas si tous ces jeunes connaissent ces acteurs, s'ils ont vu. Ouais, c'est insupportable. C'est du théâtre filmé, vous voyez. Et moi, je m'autocritiquais beaucoup. Et je critiquais les autres, mais je m'autocritiquais. Et puis j'essayais d'observer, ensuite de réfléchir, d'analyser quand même. Et puis, en fin de compte, voilà, parce que moi, je me souviens que dans mes tout premiers films, dans les années 55, bon, les critiques, tout le monde me disait Gérard Blin est d'une simplicité, et ceci et cela. Le seul acteur à l'époque qui était vraiment pour moi, je dirais pas mon maître, parce que j'ai pas ni maître, ni Dieu, ni rien du tout, mais il était d'une telle sobriété, d'une telle simplicité. Il parlait tellement juste, parce que tout ce qu'il disait, c'était extrêmement ressenti. C'est ça, le cinéma. Si on ne pense pas très sincèrement à ce qu'on dit, avec sa personne, c'est cuit. Le théâtre, on peut se débrouiller au théâtre. Parce que le théâtre, on vous voit, à 20 mètres, 30 mètres, on ne voit pas le regard, on ne voit pas les plis, on voit que dalle. Puis il y a un ton, parce que le théâtre, il faut extérioriser, il faut envoyer aux gens, hein. Là, je parle sur un ton, par exemple, un peu élevé, parce qu'il y a des gens au fond que je vois pas, là, ils m'ont foutu des trucs dans les yeux, là, mais ça fait rien, je les devine. Et au cinéma, c'est pas ça. Au cinéma, on dit, oui, ben voilà, alors moi, je vais partir demain, et puis alors tu me fais, vous voyez. Alors que là, alors demain, je vais partir demain. Alors, moi, ça m'emmerde, ça, bien sûr. Parce que moi, je suis beaucoup plus cinématographique que théâtral. Mais votre modèle, c'était qui? Comment? Votre modèle. Ah, c'est Gabin. Ah oui, Gabin, moi je revois des films que j'aime pas, ou de Carnet, ou même de Renoir, hein, comme truc, ou même, j'en sais rien, je vais pas citer les noms, puis je les ai vus, je les ai pas revus depuis quelques années, mais quand je dis quelques années, c'est 3, 4, 5 ans. Et Gabin, avec cette espèce de force intérieure qu'il avait, espèce de regard formidable, et ça c'est le cinématographe, il fait passer les films encore tellement son jeu est en avance sur tout le monde. Alors que c'est l'époque où tous les acteurs font des numéros insupportables. Mmh. Même Simon, qui est un acteur pas mal, il joue sur son physique, Gabin aussi, on peut dire qu'il joue sur son charisme, sur sa présence, sur sa tendresse, sur tout ça. Mais les Simon, les Haribord,
même d'autres acteurs qui sont bien, Fernand Ledoux, j'en sais rien, ben c'était des numéros à n'en plus finir. Ouais. Et moi, pour moi, c'est pas cinématographe. Mais sur ces bases-là, justement, Gérard, à un moment donné, n'étant pas issu de ça, mais vous croisez la trajectoire des gens de la Nouvelle Vague. Ouais. Et on a pu comprendre que c'est une espèce de mythe comme ça qui s'est institué par rapport à vous, mais qu'en même temps, c'est un truc sur lequel vous crachez volontiers. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gens de la Nouvelle Vague? Comment vous les avez rencontrés, d'abord? Comment vous les avez rencontrés? Comment vous avez rencontré Chabrol? Comment vous avez rencontré Truffaut? Comment ça s'est passé? D'abord, je crache pas vraiment. Non, attendez, excusez-moi. Non, vous avez raison. Moi, je veux dire qu'on crache, je m'en fous, moi. Hein. Je dis ce que je pense. Je crache pas dessus, mais je ne les mets pas sur un piédestal où on a voulu mettre la Nouvelle Vague. Ouais. Le Beau Serge, le Beau Serge, c'est pas un film. Ils n'ont rien révolutionné du tout, d'abord, parce qu'aller tourner dans la rue, aller tourner dans les décors naturels, ça faisait déjà 30 ans qu'on le faisait, ça. Alors, c'est pas, il y a eu. On peut pas dire que ça a été médiatique, parce qu'à l'époque, c'était en 58. Il n'y avait pas les télévisions qu'il y a, il n'y avait pas les médias qu'il y a maintenant, mais c'est un film qui a bénéficié, moi je ne me souviens plus pourquoi, qui a bénéficié d'une espèce d'aura comme ça. Bon, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils étaient incapables, et c'est ce qui est le plus important au cinéma, ils étaient incapables de diriger, j'aime pas beaucoup le mot diriger, parce que ça fait le directeur qui dirige, mais incapable de porter, d'aider, de donner des conseils aux acteurs. Ils étaient nullissimes. Nullissimes. Aussi bien Truffaut dans Les Mistons, dans lequel j'ai tourné avec Bernadette Lafont, que Chabrol dans Le Beau Serge ou dans Les Cousins, c'était terrible. Et le grand problème des metteurs en scène de cinématographe, parce que j'ai quand même fait une quarantaine de films avant de passer à la mise en scène, c'est leur gros problème. Parce qu'ils sont capables, et encore, il faut voir jusqu'où, bah, techniquement, on met tel objectif, on prend tel cadre, on fait ceci, bon, alors là, on fera un petit panneau, là, tout ça, bon. Mais par contre, pour se débrouiller avec les acteurs qui sont des êtres humains, alors là, c'est beaucoup plus dur. Et les acteurs ou les amateurs, encore plus, parce que les amateurs, n'en parlons pas, parce que alors là, ils sont incapables de les mettre dans une situation et de les aider et tout ça. Mais même ne serait-ce qu'avec les acteurs, ils sont incapables. C'est l'angoisse, parce que c'est du matériel humain. Et là, il faut être psychologue, il faut être fin, il faut être chaleureux, il faut aimer les gens, il faut pas être coincé, il faut aller vers eux, il faut les aider. Il faut créer sur le plateau une ambiance, quelque chose de consente. Alors là, c'est le gros problème des metteurs en scène, parce qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai fait 40 films. De mémoire, je peux vous dire que je ne me souviens pas d'un metteur en scène dont j'aimerais que ses rapports avec les acteurs, les débutants, soient. Parce qu'ils n'y connaissent que dalle. Mais comment vous les avez rencontrés, quand même, ces gens qui vous ont, en l'occurrence, déçus à ce moment-là? Truffaut, comment vous les avez rencontrés? Non, si vous voulez, c'est très simple. Hein. J'ai fait, à l'époque, avec Truffaut, comme j'ai fait avec certains critiques pour mes films, comme metteur en scène. Quand je lis un article comme ça sur moi, non pas parce qu'il va être élogieux ou très élogieux, ceci, mais quand je sens qu'il me fait découvrir un caractère chez moi que j'avais quand on me dit, je sais pas, je vais pas citer de trucs, parce que je vais pas m'envoyer de fleurs, mais tout de suite ça me touche et j'ai envie de l'appeler, vous voyez, j'ai envie de communiquer en disant merci, tata, tata. Bon, voilà. Alors je reviens en arrière au moment quand j'ai tourné Voici le temps des assassins. Truffaut dans Art, parce qu'il écrivait dans Art à l'époque, avait écrit un papier sur Voici le temps des assassins. Et il avait terminé son papier. C'était quand même le premier rôle important que je jouais, et quand même avec Gabin et Delorme. C'était, il fallait quand même y aller. Et puis Duvivier, qui était froid comme une trique. Alors, nul, totalement. Ah mais nul, nul. Pour la direction d'acteurs, nul. Ils sont tous nuls, de toute façon. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils veulent quelque chose, mais ils ne savent pas comment le dire. Ils ne savent pas comment en faire. Il n'y a pas de communication. Ils ne sont pas...
C'est vrai que je pense que les gens extravertis, les metteurs en scène extravertis, ont plus de chance que les mecs qui sont coincés, qui sont sur leur machin, et puis qui sont incapables de communiquer. C'est une question de communication. Bon, alors je reviens à mon Truffaut, qui terminait son article et qui disait « Gérard Blin, bon, je me souviens plus du terme exact, mais enfin, bon, très bien, disons très bien, dans le rôle le plus difficile. » Par rapport à Gabin et à Delorme, j'avais 24 ans, mais merde, non, j'en revenais pas, parce que moi, je venais toujours d'où je venais, hein, c'est-à-dire j'étais le petit mec, vous voyez. Et j'ai appelé Truffaut pour le remercier, comme je disais tout à l'heure. Et puis, on s'est rencontrés, et puis je suis rentré un petit peu, comme ça, dans le sérail des cahiers du cinéma, parce qu'ils n'avaient tous encore rien fait du tout, hein, c'était en 54, non, 6. Parce que le film, on l'a tourné en 55, c'était en 56. Ils n'avaient encore rien fait, mais ils étaient en préparation, en projet, tout ça. Et je suis devenu très ami avec Godard, Truffaut, Chabrol, Romer, Valcroze, tous les mecs des cahiers du cinéma qui voulaient tous passer à la mise en scène, ce qu'ils ont fait un an ou un an et demi après. Et voilà comment c'est parti. Et Chabrol et Truffaut, tout ça, avaient quand même vu « Voici le temps des assassins ». Alors quand on me dit c'est Chabrol qui a lancé Gérard Blin, c'est vrai et c'est faux, parce qu'il m'avait déjà vu au cinéma, j'avais déjà tourné au moins 4 films, moi, comme acteur, et un, dont un en Italie avec Bolognini, les Giovanni Mariti, les jeunes maris, vous voyez. Et par conséquent, Chabrol ne m'a pas découvert. Il a découvert que... puis il a fait de bien meilleurs films après le Beau-Serge, je trouve, moi. Bon. Et puis, voilà comment c'est passé, si vous voulez. Et puis, il y avait Brialy dans le coup. Alors, Brialy, il avait tourné avec Rivette. Ah oui, j'ai oublié Rivette. Tous, on était tous, tout un groupe. On allait bouffer dans les snacks. On allait, ouais, c'était des... Et puis, moi, je trouvais une famille, un petit peu. Bon. Et il y avait Brialy dans le coup, parce qu'il avait tourné Le Triporteur et Le Coup du Berger. Voilà, vous voyez, j'ai du mal, Le Coup du Berger de Rivette. Coup du berger, voilà, bon. Et puis, on s'est retrouvés tous ensemble, et on a tous démarré ensemble, comme ça. Alors, le bol, parce que j'en reviens à la chance, c'est que le Beau-Serge a marché, et puis on en a beaucoup parlé, puis après, il y a eu les cousins, puis on en a beaucoup parlé, et là, ça m'a donné l'élan, et tout ça. Ça aurait pu être Voici le temps des assassins, si Voici le temps des assassins avait marché bien, vous voyez, c'est une question de commerce, en fin de compte. Et puis des médias de l'époque. Et voilà, et là, c'est parti. Alors maintenant, on me dit, ah oui, Gérard Blin, c'est le mythe de la nouvelle vague, l'acteur, alors que j'en ai rien à foutre, complètement. Hein. Parce que moi, les mythes, moi, mon mythe, c'est Che Guevara, alors, vous voyez. J'en suis loin des acteurs. Ah. Et puis, voilà, vous voyez. Ah, voilà la carrière. Et puis, il faut avoir de la chance, et puis, il faut être gentil. Et moi, je suis pas spécialement gentil, souvent. Il faut être gentil, il faut être aimable, il faut pas dire de mal de personne, alors que moi, j'arrête pas. Et puis voilà. Bon, vous voyez, tout ça, c'est des anecdotes, c'est pas très, très... Mais... Alors, j'ai tourné aux États-Unis. Oui, pardon, Michel. Pardon. Non, allez-y. Non, justement, comme apparemment, vous dites parfois du mal d'autrui dans le milieu du cinéma, vous n'avez pas refait de film après Les Cousins avec un Chabrol. Seul non. Des membres de la Nouvelle Vague. Et non, parce que je me suis engueulé avec tous. Parce que j'avais une très mauvaise habitude, quand même. Parce que à l'époque, c'est intéressant comme question, parce qu'à l'époque, bon, j'étais un acteur, interprète, et en lisant les scénarios, inconsciemment, parce que je ne savais pas que 15 ans plus tard, à l'époque, je ferais de la mise en scène, et que, bon, cette mise en scène, mes films auraient quand même une certaine cote, bon. Et ce qui se passait, c'est qu'en lisant mes scénarios, je me faisais, dans ma tête, je dis, oui, alors c'est bien, là, tu vois, tu vas te déplacer, tout ça, je me faisais mon cours à moi, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, là, il faut le jouer comme ça. Et puis, au moment de tourner, bah, c'était complètement le contraire. Alors, je gueulais comme un âne, j'ai dit, mais pourquoi je vais là, pourquoi... Je commençais à me mettre en scène, vous voyez. Et ça les a beaucoup perturbés, c'est normal, parce que c'est ennuyeux quand un acteur, moi, si un acteur me disait, non, je préfère, plutôt que de rentrer par là, je préfère rentrer par là. Ben, je dis, mais mon pote, moi, je ne vais pas changer toute ma mise en scène pour te faire rentrer par là, parce que tu me ferais rentrer par là, et que moi, je veux que tu rentres par là. Et moi, j'étais comme ça, vous voyez, j'étais un emmerdeur d'acteurs.
Et c'était au tout début de ma carrière. Résultat, et moi je me souviens d'un plan de Chabrol dans Les Cousins, que j'ai pas voulu tourner, mais j'avais tort, parce que, bon, j'étais payé, c'était une profession, j'aurais dû fermer ma bouche. Et faire ce qu'on me disait. C'était, bon, mais c'était plus fort que moi. Il voulait me foutre sur le lit à un moment donné, en comment il appelait ça, les, comment ça s'appelle, avec un doigt dans la bouche, tout va, en me suçant le pouce et en, merde, comment on dit, les enfants, les petits-enfants, qui sont reproduits. En fœtus, ouais, ouais, voilà. Je dis, quoi? Comment en fœtus? Mais je lui dis, c'est pas dans le scénario, ça. Pourquoi tu veux me faire foutre mon doigt dans la bouche et puis être... Je dis, ouais, mais non, je lui dis, moi, je fais pas ça, moi. Et puis, vous voyez, alors, j'étais très emmerdant. Et puis avec Truffaut, ça a été pareil, parce qu'ils étaient archi nuls, mais archi nuls sur la direction des acteurs. Ils étaient déjà pas très forts sur la mise en scène. Hein. Ben oui, mais ils étaient déjà pas très forts. Mais maintenant, ils ont fait des progrès après. Bien que c'est pas ceux que je préfère, mais bon, ça c'est tout à fait personnel. Car tout ce que je vous dis, moi je détiens pas la vérité universelle. Ça m'est personnel, c'est ma sensibilité, ma réflexion, mon analyse. Bon, elle vaut. Ceux qui veulent la prendre pour, en disant oui, pensant que j'ai raison, très bien. Ceux qui disent, oh, il exagère, ceci, pensent ce qu'ils veulent. Moi, je ne peux pas. Personne ne détient la vérité. Et par conséquent, je me suis mis très mal avec eux. Et résultat, ils ne m'ont jamais repris. Ce qui est tout à fait cohérent, parce que j'étais tellement emmerdé. Que, voilà. Du coup, vous engueulez à peu près avec tout le monde à l'époque, et puis vous allez voir du côté d'Italie s'il y a quelqu'un d'autre avec qui se fâcher, quoi. Alors, non, avec l'Italie, ça a beaucoup mieux marché, parce que avec l'Italie, ils m'ont quand même donné des rôles. Bon, j'ai rien tourné de génial, hein, à côté de mon copain Delon, qui a eu la chance de tourner avec des metteurs en scène. Comme Antonioni, Visconti, Melville, Clément, enfin, il a fait... Moi, j'ai tourné avec des metteurs en scène que moi j'estime moyens, hein, des petits maîtres. Bon. Mais en Italie, ils ont senti mieux mon caractère, ce que je pouvais exprimer au cinéma qu'en France, quand même. Que j'ai quand même tourné une quinzaine de films en Italie, vous voyez. Et par conséquent, ils étaient un peu plus fins, peut-être, j'en sais rien, à l'époque. Et puis c'est pareil avec John Wayne, avec Hawks. Hawks, c'est quand même un grand metteur en scène américain. C'est pareil, il m'a vu dans Les Cousins, et il m'a fait tourner avec John Wayne. À Paris. Ouais. Et même Truffaut, à l'époque de mon premier film, Les Amis, en 70, avait fait tout un papier en disant, ouais, si Gérard Blin avait... Moi, j'aime pas les Américains non plus, hein, je le dis tout de suite. Hein. Certains films, oui, mais les Américains, j'aime pas, moi, j'aime les Japonais, j'aime... Bon, on en reviendra tout à l'heure, peut-être. Mais Truffaut avait écrit un papier, encore très gentil pour moi, en disant, dommage que Gérard Blin soit pas Américain, et truc, parce qu'il aurait trouvé beaucoup plus son chemin, ses personnages, outre-Atlantique, qu'en France, ou en France... C'est les Francouillards, puis c'est marre. Hein. Voilà. Et Truffaut avait été très... en voyant Les Amis, parce qu'il avait beaucoup aimé le film, bon. Il avait plus aimé mes films que moi, j'aime les siens. Ça fait rien. On va dire les choses comme elles sont, ouais, parce que sinon, merde, tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil, tout le monde... Il y en a marre de ces rapports, de ces dialogues et tout, comme ça. Voilà. Gérard, quelques mots sur votre carrière américaine qui se limite à un film. Mmh. Un grand réalisateur, mais beaucoup d'éléphants, et John Wayne. Alors, excusez-moi, Michel, elle se limite à un film, parce que c'est quand même important, parce que ça fait partie de ma morale, de mon éthique. Elle se ramène à un film parce qu'on voulait me faire signer un contrat pour 5 films, et j'ai jamais voulu le signer, parce que Hollywood, c'est tout ce que je déteste, moi. Mais bien sûr, c'est la vulgarité, c'est le mauvais goût, c'est horrible, ouais, les acteurs, les actrices. À 9h... Maintenant, je vous parle de ça, c'était en 60, hein, 61.
à l'hôtel au Bervelis, à 10h du matin, les femmes, elles sont déjà en vison, hyper maquillées, et puis c'est horrible, quoi, les maisons, tout. C'est horrible, c'est le ghetto des c'est là, non. Moi, je me suis tiré le lendemain du dernier jour de tournage de Atari, j'étais parti. Hein. Ah ouais, alors, il m'avait proposé un contrat que j'ai jamais signé. Voilà. Mais dans Atari, vous êtes quand même l'auteur d'une scène. C'est long à expliquer ça, Michel. En deux minutes. Ah ben, en deux minutes. C'est typique de vous. Ouais, non, mais moi, je fais ce que vous voulez. Hein. Je suis là pour ça. Il y avait... Hawks avait dit à Atari... Bon, il réécrivait son scénario. Alors, on restait 2 heures, 3 heures, et puis alors lui, il écrivait, était sur sa chaise, il écrivait, puis tout le monde attendait, moi, j'en avais rien. Wayne, qui était à l'époque la grande, grande star mondiale du cinéma, hein, 61, l'acteur important, c'était Wayne, dans le monde, et l'actrice, c'était Elizabeth Taylor, encore. Et Wayne attendait des heures entières avant de tourner, ou même tournait pas du tout. Mais il disait rien, vous voyez, il était, c'est ça qui est très professionnel chez les Américains, il faut leur reconnaître ça. Il était maquillé, on lui avait foutu sa moumoute, là, tout, paf. Il jouait aux cartes avec son maquilleur toute la journée, puis il attendait. Puis quelquefois, il ne tournait pas de la journée, et il disait rien, il bronchait pas. Bon, alors j'en reviens à la question de Michel, c'est que Hawks, au début du film, avait réuni les acteurs, parce que comme son scénario qu'il avait, n'avait pas l'air de lui plaire tellement, parce qu'il changeait tout, il avait réuni les acteurs en leur disant « Si vous avez des idées, une idée de scène, vous me la communiquerez. » Et moi, tout de suite, dès le lendemain, ça commençait à tourner dans ma tête. J'ai dit « Merde, hein. » Et puis j'avais trouvé une séquence qui était, pour ceux qui ont vu Atari, qui est l'histoire quand je suis moi. Bon, je suis obligé de parler de moi parce que, bien sûr, la séquence, je m'étais foutu dans le cou, bien sûr. Parce qu'à l'époque, quand même, je n'allais pas penser pour les autres, quand même. Maintenant, oui, mais avant, non. C'était quand je suis dans l'hôpital et que j'attends et que l'Indien, le gars qui s'est fait blesser par un rhinocéros, est à l'hôpital et on doit lui faire une transfusion de sang. Et je suis là, je ne me souviens plus pourquoi, à quel moment. Je suis dans la troupe de ces gens qui capturent les animaux. Il y a Wayne, il y a Red Button, il y a tout le monde. Et on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est du Résus, je me souviens plus, ou AB, ou truc. Je dis, oui, moi, je suis, moi. Ah, alors vous allez donner le sang, parce qu'on a besoin du sang. Je dis, non, moi, je donne pas le sang, comme ça, pour... vous voyez, je refuse. Il y a Kruger qui avance vers moi, et il me dit, tu veux pas donner ton sang, et tout. Je dis, non, moi, je donne pas mon sang, ce truc. Et paf, il m'envoie une pêche. Alors ça, c'est moi qui avais trouvé ça. Et quand j'arrive ensuite... Après, alors je vais quand même donner le sang. Alors je roule un petit peu trop les mécaniques, mais ça fait rien. Bon, je suis là quand je me vois de dos partant comme ça. Bon, peu importe. Et puis quand je reviens au camp où il y a tous les chasseurs, enfin les gars qui prennent les animaux, Wayne me dit ouais, il paraît que tu tires très bien. J'ai dit oui, je tire bien. Je suis voilà. Ben viens, on va aller faire un concours. Tu vas tirer avec. Je dis Kruger, parce que c'était Kruger. C'était Kruger qui m'avait foutu le coup de poing. Bon, ça, c'était de moi, tout ça. Et puis, on tire dans les bouteilles, et puis je gagne. Bon, je gagne. Bon, alors, je ne sais pas tirer du tout, mais ça ne fait rien. Ça, c'est un détail. Hein. Et puis, je me souviens que Kruger était à ma droite, Wayne à ma gauche, et puis alors, je tire, lui, il est là, il tire, puis je gagne. Alors, je dis à Wayne, je lui donne le fusil, comme ça, je lui dis, tiens. Alors, il prend le fusil, et dans le même mouvement... où je ramène mon bras, Kruger est là, je lui renvoie la pêche qu'il m'avait donnée à l'hôpital, et il se retrouve par terre, et puis voilà. Et ça, c'est moi qui ai communiqué tout ça à Hawks, et il l'a tourné. Voilà. Vous voyez, c'est pas... Et puis après, j'ai essayé d'en trouver d'autres, mais là, ça lui a pas plu, je crois, parce que je commençais à me dire, merde, mais attends, je vais me retrouver des scènes et des trucs comme ça. Mais c'est déjà pas mal, je trouve... Moi, petit Français qui arrivait comme ça dans ce milieu, quand même avec les plus grands metteurs en scène, plus grands acteurs de renom et tout, d'avoir une petite séquence que j'avais cogitée et que j'avais passée à Hawks, voilà. Donc on arrive presque à la naissance de l'auteur. Mais une dernière question avant d'aborder vos créations personnelles, c'est dans la fin des années 60, il y a toute une série de films qui ne sont pas, disons, d'une très grande qualité,
dans lesquels vous apparaissez régulièrement. Et apparemment, cette période-là, le métier d'acteur vous a beaucoup déçu. Comment avez-vous vécu cette époque-là? Et comment êtes-vous ensuite alors passé à la création? En fin de compte, ça m'a déçu, même, je parlais tout à l'heure de Delon, qui n'est pas mon ami, mais on se connaît, on est de la même génération, à 2 ans près, on se suit, qui a eu la chance de tourner avec des metteurs en scène bien plus intéressants que moi, parce que moi, en fin de compte, il faut aller chercher les metteurs en scène, parce que Hawke, c'est très bien, mais bon, c'était les animaux, il n'y avait pas beaucoup de profondeur dans tout ça, les animaux, la truc, merde, bon, pendant 6 mois, on faisait comme ça dans la jungle et tout, hein. Bon. Enfin, alors Delon a eu, a eu beaucoup plus de chance, mais même si j'avais eu la chance de Delon, c'est-à-dire de tourner avec Visconti, d'ailleurs Visconti m'avait proposé, puis j'ai pas pu le faire à un moment donné, c'était pas un rôle qui m'intéressait de toute façon. Mais même, quoi, le rôle, pardon, hein? C'était quoi le rôle qui vous intéressait? C'était le rôle du petit gars à la fin. Qui rentre à lui. C'est le rôle. Alors, Visconti me disait toujours. Dans Rocco. Ouais, ouais. Alors, il me disait toujours, parce qu'il m'avait fait le scénario, je lui dis, non. Et alors, il me disait toujours, mais c'est le rôle positif du film. C'est vrai, c'est le mec, le petit mec, qui a le rôle le moins important, et puis qui, à la fin, rentre à l'usine. Bon, alors, ça, c'est les trucs de Visconti. Bon, d'accord, je veux bien. Alors, moi, je me souviens, je disais à Visconti, oui, mais Lucchino, moi, j'ai mieux joué un rôle négatif. Et puis que le rôle, il y a quelque chose, qu'il y ait de la force, qu'il y ait du truc, que de jouer le rôle positif, et puis le mec, il fait rien du tout, il va, tout ce qu'il fait, à la fin, il rentre à l'usine. On est d'accord. Moi, j'ai mieux... Et j'ai pas fait le rôle. Et il m'en a beaucoup voulu, parce que j'étais très ami avec Visconti. Et il m'en a beaucoup voulu. Et si vous voulez, alors même pour en revenir à Delon, même si j'avais joué avec Antonio, il y avait Visconti et tout, moi, la qualité d'acteur m'emmerdait, vous voyez. Parce que, alors c'est vrai que j'ai pas eu de chance, parce que j'ai tourné que des films comme acteur, si j'en étais une quarantaine, moi j'arrive pas à en sortir un, voyez, qui me plaise vraiment en disant, ah oui, là j'ai fait. J'ai... Alors, si vous voulez, comme organiquement, moi j'ai pas besoin de jouer. Hein. Si je joue quelquefois, c'est pour des raisons d'argent, de fric maintenant, ou parce que personne veut jouer les rôles que je leur propose, alors bon, bah, allez vous faire tuer un œuf, et puis moi je vais le jouer. Puis j'ai des chances d'être mieux que ce que... Excusez-moi, là, je vais paraître prétentieux, mais ça fait rien. Puis j'ai des chances d'être mieux que vous, si vous l'aviez fait. Bon. Et à 2 occasions, ça s'est présenté. Bon. Et mais j'en avais marre de m'exprimer, de jouer, d'avoir à m'exprimer que sur des conneries, que sur des dialogues cons, que sur des mises en scène médiocre, banal, vous voyez. Et petit à petit, inconsciemment, les choses, les pensées ont fait leur chemin. Et en 70, j'ai fait mon premier film parce que là, j'ai pu m'exprimer plus pleinement avec des dialogues qui sont pas stupides, avec une mise en scène. Bon, ben, j'ai fait la mise en scène que j'ai fait. On aime ou on n'aime pas ça, ben, vous voyez. Et puis voilà, et là, je me suis exprimé pleinement. Parce que l'acteur... Ce n'est jamais qu'un interprète qui dit s'il a la chance de tourner avec un metteur en scène formidable, avec un personnage à interpréter, un personnage profond, sensible, fin, violent et tout, tant mieux, là, ça devient intéressant. Mais si c'est pour jouer que des conneries toute sa vie, vous voyez, c'est terrible. Et c'est plus souvent le cas que le contraire. En fait, vous êtes exactement passé à la mise en scène parce que rien de ce que les metteurs en scène existants vous satisfaisait. Oui, mais c'est ce que j'ai dit pour Delon tout à l'heure. Même si ça m'avait satisfait, ça m'aurait quand même, j'aurais quand même été insatisfait pour pas pouvoir m'exprimer et dire les thèmes que j'avais envie de dénoncer. Vous voyez, que j'avais envie de dénoncer, enfin, dire. J'avais besoin de quelque chose en plus. Et tous mes films traitent de la même chose, moi, vous voyez, de l'amour, de l'amitié, de la franchise, de l'honneur, de la tendresse, de la violence, mais une violence pas avec l'hémoglobine, toutes les conneries qu'on voit en ce moment avec le cinéma, vous voyez. Et j'avais... non, il me manquait quelque chose de toute façon. Parce qu'en fin de compte, j'ai commencé à faire l'acteur, là, je reviens encore en arrière, que parce qu'on me disait, ouais, t'es mignon, ah, les yeux bridés, ouais, t'as du charme, ouais, d'accord, bon, puis ça a marché. J'ai eu de la chance, et puis point final, on n'en parle pas, c'est pas important, vous voyez. Mais en fin de compte, j'étais pas fait pour être un acteur, sûrement, parce que ça m'emmerde.
Les amis, comment sont-ils nés? Bah, les amis, bah, un jour, je me suis... déjà avant les amis, dès mon retour de Hollywood en 62 et tout, j'ai commencé à écrire un ou deux scénarios. Un qu'on m'a formellement interdit de tourner, qui était sur les parachutistes. C'était après la guerre d'Algérie, qui était contre les parachutistes. Hein, alors moi, je suis un parachutiste. Ouais, c'est bien, alors je les connais bien. Hein, j'avais fait un film contre, qui revenait des gars qui revenaient d'Algérie. Tout ça. Bon, on m'a interdit formellement de faire le film, sinon il serait interdit. C'est ça. Alors j'ai réécrit un autre scénario. Et puis encore un autre, et puis j'ai écrit Les Amis, comme ça, parce que je pensais que c'était un film, un univers que je connaissais. Toujours un petit mec sans grande culture, sans grande connaissance et tout. Puis j'ai écrit ce scénario, et puis, je l'ai fait, le film s'est monté. Puis après, le suivant, Le Pélican, c'est sur l'amour paternel. Et puis, je suis toujours resté depuis 25 ans, c'est quand même un quart de siècle, sur les mêmes thèmes. L'amour, la franchise, enfin, ce que je viens de dire, voilà. Il y en a un que vous oubliez, Pierre Djemila ? Non, mais sur les thèmes, c'est que vous parlez sans arrêt d'histoire de clan, de famille, de tribu, comme on dit ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si le mot est exact. Hein. Est-ce que c'est pas ça, sans arrêt, qui vous fait si, la recherche d'une famille ouais. Pourquoi comment ça se passe Là, c'est très difficile, parce que je suis obligé, pour expliquer ça, de rentrer dans ma vie, mon enfance et tout. C'est embêtant Un petit peu, oui. Non, compétent, non, c'est que j'ai du mal. Oui. Voilà. C'est ce qui nous touche beaucoup dans tous vos films, effectivement. Je pourrais tout dire, hein, parce que moi, à quelques questions qu'on me pose, je réponds, j'en sais rien. Moi, j'assume ce que je suis, ce que j'ai été, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, mais c'est très difficile comme ça, avec beaucoup de monde, de parler de mon enfance. Mm-hmm. Et maintenant, là, j'ai repris mon truc, là, vous voyez, j'ai morci. Et la question de Jérôme Malien, je peux pas vous voyez, c'est une chose trop profonde pour... Là, je suis obligé de parler plus fort que si je vous parlais tout doucement, comme ça, en disant, vous voyez, je peux pas en parler beaucoup. Mais c'est vrai, bon, maintenant, j'ai repris un peu mon truc, c'est vrai que j'ai eu une enfance très dure, sans père ni mère, pour ainsi dire, et que, vous voyez, j'ai du mal à parler, là. Et que, vous voyez, j'ai trouvé, ma recherche a toujours été la famille, le clan, mais une famille pas ouverte sur le monde, hein, pas la famille, leur truc, c'est pour ça que le seul sens de ma vie, profondément, ce sont mes fils, en fin de compte, vous voyez, voilà. Pourquoi ? Parce que bon, j'ai eu la vie que j'ai eue, que j'ai fait, que les hommes et les femmes, j'ai eu une connaissance de, j'avais 12, 13 ans, qui a été très dure. Hein. Alors je ne voudrais pas aller plus loin, parce qu'on rentrerait dans des certains événements qui sont très récents, qui se sont passés en Belgique. Vous voyez mm-hmm. Alors, je ne peux pas trop, voyez. Même moi, je vois tous les acteurs, alors ils écrivent leur mémoire, alors on se dit, ils ont 40 berges, 45 ans, paf, ils écrivent, ils n'ont rien à dire, ça nous emmerde, c'est chiant, c'est incroyable, tout, on s'en fout. Moi, je l'ai pas, j'ai 66 ans, je ne l'ai pas fait. Est-ce que je le ferai un jour? Est-ce que je ne le ferai pas? De toute façon, parce que moi, ce n'est pas important, hein, on est tous... bon. Et la seule... raison qui pourrait être pour que je le fasse, c'est si je pouvais plus tourner, j'ai mes fils, et que j'écrive un bouquin de mes mémoires qui ferait un certain éclat, c'est pas pour ça qu'il marcherait, j'en sais rien, mais ce serait dans l'espoir qu'il marche pour toujours assumer la vie de mes fils et tout, parce que, voilà, si j'avais beaucoup d'argent, je m'en fous complètement, mes fils, je les protégerais.
cette façon-là. Je crois qu'on peut résumer. Jusqu'à la fin. Non, j'ai eu encore. Jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Non. C'est comme ça. Hein? Et à la limite, le cinéma, tout ça, ça passe bien après l'amour que j'ai pour mes fils. Il y a une très belle phrase que vous avez écrite dans votre dernier film, Jusqu'au bout de la nuit, qui résume un peu tout ce que vous avez dit ici. Je la cite. « Avec la société, depuis que je suis né, je suis en état de légitime défense. Ouais, » Je crois que vous avez tout dit à travers vrai. Cette phrase. Alors, on va parler de votre travail de créateur maintenant. Mmh. Et on va le faire systématiquement, du début jusqu'à la fin. Vous avez dit une fois que vous avez l'écriture difficile. Alors, comment travaillez-vous sur vos scénarios, vos dialogues en particulier, généralement? C'est-à-dire, quand je dis j'ai l'écriture difficile, c'est-à-dire que je suis incapable, je vais dire, par exemple, je serais incapable d'écrire mes mémoires tout seul en racontant ceci et cela. Par contre, les dialogues, c'est ce que je fais le mieux quand même. Hein? Je mets du temps, je les revois, je vais à l'essentiel, je coupe tout ce qui est inutile. Vous voyez, c'est des dialogues qui sont bien écrits, mais d'une manière que tout le monde comprenne, pas, vous voyez. Et voilà. Par conséquent, c'est pas de cette écriture-là sur mes scénarios que je parlais. C'est l'écriture d'écrire un livre, d'écrire ou de faire, par exemple, d'écrire. Si on me demandait d'écrire sur le cinéma, des trucs, j'aurais beaucoup de mal parce que c'est pas un moyen d'expression qui m'est très facile. Alors qu'écrire mes scénarios, oui, qu'il y a l'imagination, il y a ce qu'on veut dire, les thèmes qu'on veut exprimer, les sentiments, parce qu'en fin de compte. Moi, dans mon film, il n'y a que les sentiments qui m'intéressent. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi si je me répète, et c'est plutôt les sentiments élémentaires. Les sentiments élémentaires, c'est l'amour, c'est les enfants, c'est la femme, c'est l'homme, c'est les amis, c'est ceci, c'est cela. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et les visages. C'est pour ça que j'aime mieux les amateurs que les acteurs. Parce que les acteurs, ils n'ont pas de visage. Au niveau du scénario, vous prévoyez... Alors que les amateurs, ils dégagent une raison sociale, une intériorité sociale, il y a un regard, il y a une intériorité, il y a plein de choses que les acteurs n'ont pas, parce que leur qualité, c'est de jouer. C'est de ne pas être, surtout pas, être eux-mêmes. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est le contraire. C'est le mystère de l'être humain, c'est le mystère d'un visage. Comme disait Colette, mon grand paysage fut toujours le visage humain. Et moi, c'est pareil. Voilà. Je m'excuse, je dévie, là. On en revient peut-être au scénario. Je voudrais savoir si vous, dans votre scénario, au niveau, vous prévoyez le découpage au millimètre. C'est-à-dire qu'une fois tout est écrit, vous êtes prêt à la réalisation, on verra pratiquement ce qui a été découpé sur le papier. Ah oui, complètement. Oui. J'improvise très peu. Il peut m'arriver pendant 10 semaines de tournage, quelquefois que j'ai une idée, parce que je ne suis pas fermé, je ne suis pas bloqué, je ne suis pas dit, j'ai écrit ça, je tourne ça. Mais plutôt, généralement, je suis... Ce n'est pas que je suis mon découpage, parce que même en écrivant, même quand j'écris, je visualise en écrivant. Je ne peux pas écrire une scène sans la visualiser et sans imaginer les déplacements, l'espace, le temps et tout ça. Alors déjà au départ, sur le scénario, le film est monté. Je le tourne à peu près comme je l'ai... À peu près, je dis, parce que quand j'écris un scénario, bon, les décors, ils sont dans mon imagination. Bon, s'il y a un salon, c'est un salon, je dis, ben, il y a là la cheminée, il va vers la cheminée, ceci. Après, il faut que je trouve les décors que j'ai imaginés. Et ces décors ne correspondent pas toujours dans leur dimension avec, avec la mise en scène que je me suis imaginé. Alors, je suis obligé de chercher, puis de me débrouiller, d'adapter un petit peu. Mais sinon, c'est extrêmement précis. Et mes films au montage, ensuite, quand le tournage est fait, alors que la plupart des metteurs en scène mettent quelquefois 3 mois, 4 mois, 5 mois pour monter leur film, bon ou pas bon, mais quand ils mettent autant de temps, c'est plutôt qu'il n'est pas bon, parce qu'ils ne savent pas. Eh bien, moi, mon film, en 3 semaines, l'image est montée. Parce que les monteuses ou les monteurs, qu'est-ce qu'ils ont à faire? À couper les claps. Vous voyez ce que c'est, les claps, hein? À couper les claps, ils collent
Et ça, ça y va très bien. Parce que je ne prends pas de sécurité comme Costa Grava, pas Grava, Gavras. Oui, j'ai toujours Grava, moi, parce que c'est un Grava. Hein, j'ai tourné avec lui, alors là, j'en parlerai pas, parce que alors, c'était tellement nul. Un homme de trop, bon, peu importe. Je ne prends pas de sécurité. Prendre une sécurité, ça veut dire... Bon, là, vous êtes là, alors je vous filme avec un 50, et puis alors je me fous de l'autre côté, je vous filme avec un 35. C'est prendre des sécurités d'objectifs, d'axes, de plans et tout ça. Moi, je prends un plan, je le répète, pas beaucoup, beaucoup, ça dépend, tant que je ne suis pas content, et puis terminé, je passe à un autre plan, vous voyez. C'est ce qu'on appelle pas prendre de sécurité du tout. Vous voyez, mm-hmm. Voilà. Ça peut apporter un autre mot qui revient souvent chez les gens qui écrivent ou qui essaient d'écrire sur vous, c'est le mot de rigueur. Ah ben oui, c'est ça, ça fait partie de la rigueur. Est-ce que c'est une attitude morale, pratiquement? Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus beaucoup de morale au cinéma, et j'ai l'impression que vous, il y a une morale. Oui, il y a une morale, mais en même temps, moi, je dis toujours, en ce qui concerne mon cinéma, en ce qui concerne ce que je fais, c'est que je fais ce que je peux, j'essaye de le faire le mieux possible, et puis voilà. Vous voyez ? Et je n'ai pas de parti pris. Vous voyez ? Par exemple, je tourne tous mes films avec un seul objectif. Parce que pourquoi changer d'objectif ? Hein ? Pourquoi changer d'objectif ? Enfin, je peux en prendre un moment, peut-être, si la place m'oblige, mais c'est très, très rare. Je tourne avec un objectif. Parce que là, c'est un petit peu plus difficile. Il faut connaître un petit peu la technique. Si je prends, par exemple, un 35, je ne sais pas si les gens savent un petit peu. Bon, je parle un tout petit peu technique, mais ça ne va pas durer longtemps. Un 35, c'est un objectif qui donne ça comme... Je dis n'importe quoi, vous voyez, qui donne ça comme image, puis qui a beaucoup d'arrière-plan, de profondeur. Hein. Bon, alors ce qu'ils font, les mecs, ils tournent 35, ou même il y en a qui tournent au 28, alors là, ça fait ça. S'ils approchent trop près de la caméra, c'est déformé, puis tout à coup, ils montent sur le personnage, et paf, ils le filent au 75. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ils changeaient de lunettes. Ils regardent les gens, ils voient une salle comme ça, une ambiance, et puis quand ils vont un peu plus près, ils changent d'objectif. Alors le fond est plus le même que celui qu'on a vu dans le premier plan, vous voyez? Je ne sais pas si... Est-ce que je m'explique bien, là? Vous n'avez pas de questions ou de choses? Parce que c'est très difficile. Ils ne veulent pas parler encore. Ils ne peuvent pas. Ah, bon. Vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien faire un film qu'avec un seul objectif, mais au moins, ce n'est pas déformé par Écoutez, il y a un truc encore beaucoup plus simple pour faire comprendre. Bon, moi j'aime beaucoup l'athlétisme. Hein, bon. Et l'autre jour, je regardais avec mon fils, ben, je crois que c'est mon fils qui est là, on regardait le marathon de New York. Bon, alors il y avait plein de caméras. Selon l'objectif, alors par exemple, un coureur, parce que vous allez mieux comprendre comme ça, un coureur en passe un autre. Bon, la caméra qu'il prend... Selon l'objectif qu'il a, on se dit « Merde, il a pris 50 mètres !» Alors qu'en fin de compte, c'est l'objectif qui allonge le truc. Et puis s'il y en a un autre qui le reprend au 70, ou au 80, ou au 100, un autre objectif, on dit « Merde, mais il le rattrape !» Alors pas du tout, ils sont collés, parce que c'est l'objectif qui les colle, vous voyez. Et on ne sait plus où on en est, dans l'espace. Mm-hmm. On ne sait plus où on en est. Alors là, dans le cinéma, alors tout le monde fait ça, presque. Et allons-y, le 35, le 40, le 50, le 75, et le zoom, et ça va au zoom, alors que ça ne veut rien dire, le zoom, vous voyez. Le zoom, ça peut servir, mais il faut savoir s'en servir. Quand on fait un zoom dans une scène, c'est parce qu'on veut appuyer une image, quelque chose, un objet, alors que là, ça y va, et ça tourne, et puis... Alors c'est ça la rigueur, vous voyez, je veux dire. Moi, je prends un objectif et puis c'est marre. Est-ce que vous expliquez à l'instant, Gérard, que vous, pour l'athlétisme, vous, apparemment, pour les sentiments, parce que votre cinéma est exclusivement un cinéma qui est extrêmement précis et dont la précision s'applique aux sentiments et à l'émotion telle qu'elle se passe à ce moment-là sur l'écran. Voilà, ouais, ouais. Et moi, j'aimerais que vous nous parliez de ça, parce que, quand je disais rigueur, c'était ça, l'histoire. C'était comment est-ce qu'on arrive à saisir de l'émotion, qui est la chose la plus absente du cinéma français aujourd'hui. Oui, mais alors ça, c'est très difficile à répondre, parce que c'est une question de sensibilité, si vous voulez. Moi, quand je suis avec mes personnages et tout, d'abord, ils sont tous filmés, par exemple, un personnage qui a le rôle important,
du film, ou hein, la fille, le garçon, qui est coupé ici, comme ça, bon, je dis n'importe quoi, là, hein, il faut être coupé là, j'en sais rien. Mais je ne fais jamais de différence de grosseur de plan avec les rôles principaux et les petits rôles. Ils sont tous photographiés pareil, parce qu'ils sont tous égaux, vous voyez. Bon, alors, il y en a certains qui ont des scènes plus importantes, d'autres, mais tout le monde est... Et moi, dans mon dernier film que j'ai été obligé de tourner moi-même, de jouer moi-même, parce que personne ne voulait le faire, eh ben moi, quand je me... Il y avait une table comme ça, voilà, on était tous les trois, il y en avait encore un autre. Moi, je me filme, je me regarde, le cadre, je le cadre, parce que c'est moi qui cadre, quand même, puisque je choisis l'objectif, parce que sinon, alors... Bon, alors, je me coupe ici. Il y a un gars, vous... Vous êtes là, vous dites pas un mot, mais vous écoutez la truc. Mais je vous, si je fais un plan sur vous, vous allez être cadré comme moi. Vous n'allez pas être cadré jusqu'ici, au pied, vous comprenez? Tout le monde est à égalité, parce que c'est ça qui fait, je sais pas, moi. Et tout ça, ça ne marche que par sensibilité, vous voyez? Je peux pas dire que j'ai un parti pris ou que j'ai... Bah, ça devient... On peut dire que je vais... Alors, par exemple, on me demande... Vous, c'est des conneries, tout ça. C'est des crétins qui disent ça. Bien sûr, ils n'ont rien compris. Pourquoi vous filmez très frontalement? Alors, pourquoi je filme très frontalement? Ben, c'est très simple. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les visages qui m'intéressent, c'est le regard. Plus je suis face à un acteur... Alors, je peux très bien être là. Alors on se dit, mais comment vous êtes là? C'est pas possible, parce qu'il voit plus personne et tout. Ben oui, mais moi, je me débrouille en répétant. Je fais une marque dans le... Comment ça s'appelle là, dans le machin, là, dans le... Je sais plus. Et on regarde le personnage, tout en parlant, donne la réplique sans voir l'acteur qui est censé être à côté de la caméra pour lui donner la réplique. Il regarde dans la caméra, mais à côté de l'objectif. Alors là, j'ai ses deux yeux, j'ai sa face, et c'est formidable, parce que sinon, on est comme ça, hein, un œil tru, ou comme ça, mais moi, ça ne me suffit pas. Moi, j'aime voir bien directement les personnages. Vous voyez, je ne dis pas les acteurs, parce que comme ce n'est pas les acteurs que je préfère. On va parler des acteurs dans un instant. Mais une chose qui est fondamentale dans votre travail de créateur, ce n'est pas de la mise en scène, c'est de la mise en signe. Vous semblez toujours trouver le signe qui amène le spectateur à l'essentiel. Ça semble être une constante de l'ensemble de vos films. Et la sobriété, la rigueur tient à cela. Votre image est très épurée, le cadre est très précis. Ouais, ouais. Et on ne rate jamais l'essentiel parce qu'il y a toujours le signe qui nous y conduit. Comment... Vous nous parlez de ça un peu, si vous voulez ? C'est-à-dire, oui, mais c'est difficile parce que, encore une fois, ça part de la même... c'est une question de sensibilité. Quand je suis sur le plateau, d'abord, comme je viens de vous dire, c'est moi qui fais les cadres, qui fait les cadres, surtout qui fait épurer. Vous voyez, moi, je ne sais pas, j'aurais tourné, je serai à la place de monsieur, là, avec sa caméra. Bon, là, c'est très bien. Mais si je me fous derrière la truc, je dis, ah non, mais attends, là, qu'est-ce que c'est qu'il y a ? J'essaye d'épurer le plus possible pour qu'on ne regarde que ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, j'en reviens à mon truc toujours, c'est toujours les visages. Mm-hmm. Parce que c'est ça, c'est les êtres humains. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, c'est beaucoup, moi, je fonctionne beaucoup avec ce que je sens, vous voyez, en fin de compte. C'est comme un peintre qui fout un... Qui fait une toile, il y a un jaune, il fout un jaune, bon. Puis s'il met un bleu à côté, le jaune n'est plus tout à fait, plus exactement la même couleur, vous voyez. Et s'il met un marron, je dis n'importe quoi, hein, un marron à côté, ça prend aussi une autre... Vous voyez, c'est ça. Et il ne sait pas nécessairement pourquoi il le fait. Et moi, c'est pareil. Moi, je fonctionne à la sensibilité, à l'émotion, moi-même, déjà, vous voyez. Alors, ma question, c'est... Merde, est-ce que mon émotion, ma sensibilité, elle va passer sur le spectateur, sur le public? Eh bien, modestement, je suis bien obligé de dire que oui, elle passe. Ouais. Alors, c'est que, bon, ben, merde, c'est parce que j'ai aussi plus de dons que d'autres qui n'ont pas de sensibilité, qui n'ont pas d'un... Vous voyez, puis c'est tout, puis voilà.
Les acteurs. Hein. Les acteurs. Ouais. Les interprètes. C'est un truc. Les interprètes. Vos modèles. Les personnages, oui. Les personnages. Mmh. D'abord, moi, j'aimerais savoir comment vous les choisissez. Parce que c'est vrai que vous avez un rapport ultra problématique, ou conflictuel éventuellement aux acteurs. Non, pas conflictuel. Hein. Moi, j'en prends pas, alors. Bon, voilà. Mais il y en a quand même quelques-uns. Parce que vous ne pouvez pas faire tous vos films vous-même, devant, derrière. Moi, je ne les fais pas. Moi, si j'ai joué. On dit toujours que vous jouez dans vos propres films. C'est valable que pour deux films, c'est tout. Il y a 25 ans de temps. Alors, on ne va pas me dire. Narcissique, je ne suis pas narcissique du tout, je m'en fous. Vos acteurs, il y en a quand même de temps à autre. Comment vous les choisissez d'abord? Mes personnages. Oui. Mais je l'ai choisi dans la salle. Là. Bon, là, je prépare rien. Je prépare des films, j'ai des projets. Je sors tout à l'heure, là. Puis je cherche un garçon ou une fille. Je vois un certain visage. Je me suis imaginé un regard qui dégage quelque chose, un visage et tout. Je passe dans le couloir ou ici, à la sortie. Je vois quelqu'un. Je lui dis, mademoiselle ou monsieur, écoutez, voilà, je suis cinéaste. Je suis metteur en scène. Est-ce que je pourrais vous revoir parce que vous m'intéressez beaucoup, parce que je sens quelque chose à nouveau. Ben, j'ai pris dans Pierre et Jimila, c'est un petit mec qui marchait dans la rue. J'allais monter sur ma moto, il marchait dans la rue. J'étais avec mon assistant, mon premier assistant. J'ai dit, va me chercher le petit gars là, va me chercher. Il était chercher le petit gars. Il est rentré dans mon bureau, je l'ai regardé. Je lui ai dit, merde, c'est ça. C'est un petit blond. Je cherchais un petit blond français, assez modeste d'allure, et il correspondait, assez gentil, il correspondait très bien pour aller avec ma petite beurre, qui habite à Roubaix à l'époque, et ça a été Pierre et Jemila. Cet amour d'un espèce de Roméo et Juliette, d'un amour entre une petite beurre et un petit français. Bon, tout ça se termine mal, mais c'est pas de leur faute, c'est la faute des parents, et puis des... Vous voyez, c'est un espèce... Ben, le gars, je l'ai pris dans la rue, puis il y en a bien d'autres un jour, un enfant dans la foule. Je cherchais une fillette pour faire ma sœur, un peu plus âgée que moi. Alors moi, dans le film, j'ai plus... Enfin, c'est pas moi, mais enfin, moi, le personnage avait... Je sais pas, enfin, il y a une mère qui vient avec sa fillette. Je regarde la fillette, c'était pas ce que je cherchais. Mais comme ça, c'est une question de sensation, vous voyez. Je peux pas expliquer ça. Bon, mais alors, par contre, je regardais la mère. Je lui dis, mais écoutez, madame, non, votre fille ne me convient pas, ce n'est pas exactement ce que je cherche, mais par contre, vous, vous m'intéressez beaucoup. Alors, la mère, elle travaillait à l'université, je ne sais pas, elle était en université à Paris. Elle est formidable dans le film, dans Un enfant dans la foule, elle est formidable. Et je lui dis, écoutez, madame, voilà, alors je lui parle, je lui dis, mais c'est vous qui m'intéressez, je suis là. Et je lui dis, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous accepteriez ceci? Et elle était très intéressée parce que c'était une expérience, c'était, voyez. Et je lui donnais, alors parce que moi je fais jamais d'essais, il n'y a que les imbéciles qui font des essais cinématographiques, ils voient rien, parce que on voit très bien sur un physique si ça va fonctionner ou pas. Et c'est pas la caméra, ils en sont toujours à la photogénie, ils sont piqués, voyez. On voit très bien qu'un visage, il a un visage, il sera pareil à l'écran. Il n'y a pas de problème. Bon, alors moi, je fais jamais j'ai jamais fait d'essai cinématographique de ma vie. Et cette femme, je lui donne une page de dialogue très simple, comme ça. Je lui dis, écoutez, apprenez-le par cœur, et puis venez me revoir quand vous voulez. Bon, elle me donne un truc, je lui dis, très bien, je serai là. Elle revient, et puis on commence comme ça à parler. Moi, je lui parle très gentiment, comme un copain, que j'étais d'ailleurs. Et puis, elle m'a dit son texte, je lui ai donné la réplique, ou quelqu'un lui a donné la réplique, et c'était très naturel, très simple, et elle était formidable. Alors, pour voir si elle était souple, vous voyez, je lui disais, bon, mais écoutez, vous vous levez, là, vous regardez, vous vous levez, vous regardez la personne, puis vous partez, et puis avant de franchir la porte, simplement pour voir si elle est souple, vous voyez, si elle fait bien, avant de franchir la porte, vous vous retournez, vous regardez la personne et vous lui faites un petit sourire. Alors, vous voyez, je faisais des petites scénettes comme ça, tu vois, pour voir si elle était... Et tout ça a marché formidablement. Je l'ai engagée, ben, je l'ai vue 2-3 fois, terminée, crac, elle a fait le rôle principal de mon film. Et ça a marché formidable. Les gens qui ont vu, si quelques personnes ont vu, parce que c'est des films qu'on ne voit pas beaucoup, mes films, Un enfant dans la foule, c'est la femme qui fait la mère...
qu'aime pas son fils, car c'est le film le plus autobiographique de mes films, le plus autobiographique, qu'aime pas son fils, la sœur, il y a la sœur aussi, qu'aime pas son frère, et c'est les deux femmes ensemble. Ouais. Bon, et ben, elle est formidable dans le film, formidable, voilà. Voilà comment je choisis, vous voyez. Puis je peux choisir sur une photo que je reçois. Bon, les photos, pas beaucoup. Moi, j'aime voir les gens. Vous voyez, les photos, j'aime pas beaucoup ça. Mais la direction de personnage, donc, se fait dans la rue ou dans votre bureau. Une fois sur le plateau, c'est idyllique. Oui. Ah oui, parce qu'il n'y a pas les acteurs qui emmerdent d'abord, qui se prennent pour ce qu'ils sont pas ou qui se prennent pour ce qu'ils sont, on s'en fout. Et qui sont narcissiques, parce qu'on sait bien que les acteurs, ils sont tous sur leur petit nombril. Moi, j'ai tourné, moi, mon temps, c'est l'acteur le plus chiant qui puisse exister. Delon, pareil, vous voyez. Et si on ne les prend pas sur leur bon profil ou sur le bon... Avec Stack, j'ai tourné avec Stack. Excusez-moi, je change de truc. Stack, comme c'est un acteur. Bon, à nouveau, aucun Français. C'est le seul film que j'ai fait avec des acteurs, en fin de compte. Mais ça s'est passé assez bien aussi. Sophie Desmarais, qui est une actrice de théâtre terrible, elle est formidable dans mon film parce qu'elle ne fait rien du tout. Je lui dis, mais non, Sophie, tu fais rien. Tu fais rien. Tu dis le texte, tu balances le texte. Ça suffit. La mise en scène, le film fera le reste. Parce qu'il y a les situations. C'est son mari qui l'a laissé tomber, ceci et cela. Et Stack, un jour, je reviens à Stack. Je tournais une scène, je crois qu'il était allongé dans son lit, et puis j'avais installé ma caméra de ce côté-là. Il était là, il était de profil. Il me dit, tu me prends toujours de mon mauvais profil, de mon mauvais côté, est-ce que tu ne pourrais pas passer ta caméra ici pour avoir son autre profil? J'ai dit, mais tu ne te foutrais pas de ma gueule par hasard? Est-ce que tu crois que je vais inverser ma mise en scène, tout ce que j'ai imaginé, pour avoir ta tronche sur le bon profil? Vous voyez, c'est ça. Alors qu'avec les amateurs, c'est idyllique. Mais avec les amateurs, ce que très peu de metteurs en scène savent faire, mais il y en a quand même, parce que personne n'est unique, et moi je ne suis pas unique, loin de là, très difficile, c'est qu'il faut les entourer, il faut leur montrer les choses, il faut leur... qu'il y ait sur le plateau, comme je le disais, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, une espèce de... d'amitié, de, vous voyez, je sais pas, de chaleur, de je ne veux pas employer les mots comme amour et tout, parce qu'il ne faut pas charrier, vous voyez. Hein. Mais, et moi, avec mes amateurs, j'ai toujours eu des papiers sur mes interprètes formidables. Tout le temps. Même si on trouve que quelquefois... Et alors, ils parlent tellement juste, ils sont tellement naturels, qu'on se dit, ah oui, mais ils parlent tout le temps sur le même... ton ou sur le même ceci. Oui. Ben, ils parlent toujours sur le même ton, parce que c'est les acteurs qui modulent avec leur voix, puisque leur qualité, c'est de jouer. Et eux, ils n'en ont rien à foutre. Les amateurs, tout ce qu'ils veulent, c'est faire le mieux possible. Et ils sont naturels, ils savent... Bon, ils n'ont pas vraiment dans la tête qu'ils sont en train de se faire photographier de ceci. Vous voyez, c'est formidable. Et alors, en plus, le mystère, c'est formidable. Vous voyez, voir ces visages et tout ça. Moi, je prends un pied énorme. Avoir du visage. Énorme, vous voyez. Alors qu'avec un acteur, je m'emmerde. Gérard, une chose que je n'ai jamais comprise dans vos films, bon, l'un de vos grands maîtres, c'est Robert Bresson, mais ses modèles, pour prendre son vocabulaire à lui, ont une manière de s'exprimer, de dire le texte qui lui est propre. Mais chez Gérard Blin, malgré l'admiration pour Bresson, l'interprétation... et pas du tout la même. La même. Non. Alors d'abord, je me permets, Michel, de vous dire que c'est pas mon maître, parce que c'est pas mon Dieu, c'est pas mon maître. Parce que d'abord, j'ai une très grande admiration pour Bresson, c'est vrai. C'est un ami, on se tutoie, c'est un... Bon, mais je dis on se tutoie parce que rares sont ceux qui le tutoient, sûrement à Paris. Mais il ne peut pas faire autrement, car il ne sait pas, en fin de compte... Vous voyez, diriger ces modèles, comme il dit. Vous voyez, moi, je n'emploie pas le mot de modèle. Alors, on m'a comparé à Bresson. Pourquoi? Parce que les quatre sont épurés, parce qu'il n'y a que des amateurs chez lui, il n'y a que des amateurs chez moi, en gros. Et puis voilà. Et parce que c'est rigoureux, c'est exigeant. Et il y a... Voilà.
Et Bresson ne peut pas diriger. Ce que moi, je peux faire, lui, il ne peut pas. D'abord, il est beaucoup moins communicatif, extraverti que moi. Et ça, c'est la première des nécessités. Vous voyez, si vous êtes complètement sur votre nombril, que vous ne parlez pas, sur votre ego, vous ne parlez pas, les pauvres amateurs, ils sont paralysés. Alors qu'il faut les mettre en confiance, au contraire. Il faut dire, ah, c'est vachement bien, c'est bien ce que tu as fait. Mais viens, on va recommencer une autre. Même si c'est un mensonge, c'est quelque chose que je fais souvent. Je vois que ça a été un petit peu à côté, je lui dis, ah, c'est très bien. Okay, bon, mais alors on en refait une autre. C'est très bien de toute façon. Cette façon, de toute manière, on la garde, cette prise. Et en refaisant une autre prise, elle est confiante ou il est confiant, peu importe, parce qu'il sait que ça y est, je suis content. Alors il se décontracte peut-être, s'ils sont un peu contractés, vous voyez. Mm-hmm. C'est toute une stratégie, une méthode qui est très difficile et qu'il faut avoir. Si on ne l'a pas, bah, prenez les acteurs, prenez Brando, comme ça il vous fera une œuvre complètement à côté du film, comme il a toujours fait, ou d'autres, et ceci et cela. Alors quant à Bresson, il ne peut pas faire autrement. Que de, il sait pas diriger, vous voyez. Alors moi je l'ai vu souvent tourner au mixage et tout. Il sait rien dire. Il sait simplement dire non, je veux pas ça, non, ceci, c'est tout. Mais bon, il y a une poésie, il y a beaucoup de choses, vous voyez. Hein? Et même sa femme, excusez-moi, Michel, même sa femme que je connais très bien sûr, m'a dit mais je comprends pas pourquoi on vous met toujours Bresson, Robert. Elle aime beaucoup de films que j'ai fait, sa femme. Elle dit, ça n'a rien à voir, vous voyez, sur justement ce plan-là, surtout des acteurs. Parce que même sa femme, je ne l'ai jamais parlé, mais doit penser aussi que les acteurs de Bresson ont un ton très, 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 très particulier. Mm-hmm. Voilà. Chez dans vos personnages, chez vos interprètes, il y a une très grande force émotionnelle, une vie intérieure qui passe à partir de rien. Le visage montré de face, presque toujours, n'exprime pas grand-chose. Mais c'est dans la durée du plan, et donc le montage du film, que passe cette force intérieure. Alors, comment vous expliquez? Est-ce que vous recherchez ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous leur demandez? Alors, qui nous... C'est-à-dire que c'est... Je leur demande de penser intensément, profondément, à ce qu'ils doivent exprimer, vous voyez, sans faire de grimaces, sans rien faire. Vous voyez, de pouvoir que le regard change ou que... Je ne sais pas. Et puis l'émotion dans une séquence d'un film, c'est aussi par rapport au plan qu'on a tourné avant, le plan qui suivra. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi l'assemblage de plusieurs plans qui crée une émotion. C'est le montage, en fin de compte. Parlez-nous du montage. C'est une question de durée, quand même. C'est une question de tout ça. C'est que vous laissez le temps à vos acteurs, à l'écran, de dire des choses, éventuellement plus, d'ailleurs, qu'ils en ont conscience eux-mêmes, je ne sais pas. Oui. En tout cas, la façon de laisser le temps s'écouler dans la durée du plan, de laisser les choses aller comme elles doivent aller. Oui. Puis peut-être que ce plan-là, en question, je le couperai un petit... C'est une question de rythme aussi, après, au montage, vous voyez. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a qu'à couper les claves et mettre... Bon, il y a quand même une question de rythme, de temps, qui va, tout en ayant filmé seulement un plan comme ça, peut-être qu'il faudra que je le coupe un peu, parce que... J'en sais rien, il y a quand même... Le montage, il ne faut pas exagérer, le montage joue quand même son rôle de... Parce que quand je fais un plan sur quelqu'un et que j'en fais un autre, c'est ça, il faut bien que les coller, les plans, il faut bien les... Ben alors, c'est le montage. Alors, il y a une question de rythme, il y a une question de rythme, de respiration. Alors là, c'est encore pareil, c'est la sensibilité qui joue, je sais pas, vous voyez, c'est la qualité. Ah ouais. Chez vous, vous allez toujours à l'essentiel, on dégage. Oui. Donc, l'événement ne vous intéresse pas, c'est ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après. Oui, c'est pour ça que je ne fais jamais, là je fais une petite diversion, c'est pour ça que je ne fais jamais de scènes d'amour, de tous ces trucs qu'on voit dans les films, à la télévision, à poil, pas à poil, parce que c'est sans intérêt, parce que ce qui est intéressant dans l'amour, hein, c'est ce qu'il y a avant,
avant de faire l'amour même, hein, alors là, là ils s'en donnent à cœur joie, là, allons-y, et je te me mets dessus, et tu te mets ceci, voilà, bon, même de ville, leur truc, bon. Parce que ce qui est toujours intéressant, c'est ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Vous voyez ? Mm-hmm. Voilà, alors, je veux dire, ça rejoint ce que vous disiez, là, à l'instant. Alors, il y a un moment, il y a une étape dans votre travail qui est fondamentale, et qui n'est pas, le propre de la plupart des metteurs en scène français. C'est le son. Le travail sur le son. Hein ? Alors là, parce que parlez-nous le son, du travail sur le son. Oui, alors là, ils sont tous à côté de la plaque, là. Hein. Parce que le son, ils sont tous sur le son direct. Bon, je veux bien le son direct qu'on peut faire, puis il y a des metteurs en scène qui font des films superbes. Hein. Moi, Godard, que j'aime pas particulièrement, parce que je m'y ennuie souvent, ces films, bien qu'il y ait des moments fulgurants chez Godard, a toujours tourné en son direct, et son son est très bien. Mais il n'est pas, si vous voulez... Moi, je tourne d'abord, je tourne pas en son direct. Je synchronise tout pendant 3 semaines, ce qui est énorme. Un film, je recommence tout le film. Et puis, je ne prends que des sons purs. Bon, ce qui veut dire que, au mixage, j'ai une richesse de sons que je vais pouvoir manipuler, que je vais pouvoir faire, parce que le son, c'est presque aussi important que l'image. En contrepoint, vous voyez. Par exemple, la musique, je ne mets pas de musique dans mes films, parce que la musique, c'est les sons, justement. C'est le son. La musique, là, c'est le son. C'est les pas, c'est un verre. Alors, paf, dans les films, voilà, paf, on entend ça, parce que ça a été tourné en direct. Et puis les ingénieurs du son. Alors, les sons en direct, c'est un embouteillage de bruit. Parce qu'il y a des ambiances tout le temps, là. Par exemple, on fait silence, hein, on fait silence. Eh bien, si on tournait une scène, moi, je vous assure que ce qu'on n'entend pas, nous, hein, parce qu'on sélectionne, eh bien, le micro, il va le prendre, lui, parce que lui, il ne sélectionne pas. Et tous les films français, tous les films sont comme ça, vous voyez ? Alors que le son doit jouer un rôle en contrepoint, doit jouer une part très importante dans un film. Alors, qui fait ça ? Il y a Bresson, il y a eu Melville, et puis je ne vois plus qui. Tati, voilà, alors c'est pas les plus mauvais, vous voyez. Et le son, c'est comme l'image, je veux dire. On peut même faire comprendre au son des choses qu'on ne voit pas, vous voyez. Alors ça, ils s'en foutent complètement, hop, ils se foutent de la musique, et allons-y. Et on peut faire, et on peut... Moi, je recrée tout, je vais prendre mes sons la nuit, parce que la nuit, il y a moins de... Si je veux des ambiances douces, ou même pas douces, parce que même la nuit, il y a des ambiances lointaines. Mais c'est pas des embouteillages et des trucs comme ça. Alors, les ingénieurs du son, vous savez ce qu'ils font avec les acteurs? Ils tournent ici, par exemple, ou ici, ou autre part, je sais pas, là, on parle. Bon, alors, les ingénieurs du son ont tendance, pas avec moi, bien sûr, parce que, bah, avec moi, c'est... Sur le plateau, ils n'existent quasiment pas. Ils prennent un son témoin pour les dialogues, point final. Ce qu'ils font avec les acteurs, c'est qu'ils viennent les trouver et ils leur disent un tout petit peu plus fort. Pourquoi ils disent un petit peu plus fort? Ils disent un petit peu plus fort parce que la voix, si la voix est plus forte, elle va peut-être couvrir une ambiance qui l'emmerde, qui est à 20 mètres ou 25 mètres. Et en le faisant parler plus fort, il les fait parler faux. Et c'est moi, en tant qu'acteur, les ingénieurs du son ont toujours été ma bête noire. Oui, l'ingénieur du son, là, il va être content, il est là-bas. Vous voyez, c'est ma bête noire. Et les acteurs parlent toujours au moins 2 tons au-dessus de ce qu'il faudrait parler. Au lieu, il y a l'écran, vous voyez, vous avez l'écran là, hein, vous avez un écran comme ça. Bon, dans les cinémas, à chaque fois, il y a un écran comme ça. Bon, il y a l'image qui passe là. Bon, il y a des acteurs qui parlent. Il faut que le son vienne de là. Eh bien, le son, il est toujours en avant, tellement il est au-dessus de trucs. Il n'est jamais à l'image dans les cinémas. Alors ça, c'est une question d'éducation, de sensibilité, de l'oreille, de se dire, attends, je vais regarder et tout. À chaque fois, c'est ça. L'image et le son, il est là. Voilà. Parce qu'au mixage, eh bien, ils enregistrent plus fort, ils ceci, ça. Vous avez vu hier, quand on était... Au Pélican, j'ai dit au projectionniste, attention au son, ne le forcez pas, le son. Mettez-le-moi, regardez, écoutez, mettez-le-moi à l'image, pas avant.
Alors, le son, ça, c'est une histoire à mourir de rire, là, au cinéma. Alors, les ingénieurs du son, un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort. Je suppose que le développement contemporain du son qui écrase l'image maintenant dans les cinémas... Alors maintenant, avec leur Dolby, leur machin, comme si... Parce qu'on s'imagine que la technique, les progrès, la technologie va faire que les metteurs en scène vont faire des meilleurs films. C'est à mourir de rire, parce que ça serait trop simple. Alors les films les plus chers seraient les meilleurs, et les films les moins chers seraient les moins bons. Moi, je dis que pour faire un film, il suffit, si on veut tourner en son direct, c'est pour ça que moi, je ne veux même pas parler de moi, il suffit d'un magnétophone, d'un ingénieur du son, d'une caméra, de la pellicule et d'un objectif ou deux. Et terminé, et on peut faire un pur chef-d'œuvre. C'est pas parce qu'ils amèneront leur connerie de Steadicam là, sur l'épaule de, pour les reportages, c'est bien, pourquoi pas. Ou même, ça peut peut-être servir si on suit quelqu'un d'autre. Bon, leur Steadicam, leur Luma, les histoires qu'il y a eu avec la Luma, mais c'est à mourir de rire. Vous voyez, ces micros là qui se baladaient, ou cette caméra, cette tête de caméra là qui passe sous la bagnole, et puis alors elle ressort par là, puis elle passe sous le... Non, mais c'est à mourir de rire. Puis ça fait que des merdes, de tout ça. Vous voyez? Ça fait que des merdes. La Luma, le zoom, allons-y, les coups de zoom, aéra. On sort un objectif, un magnétophone, et une caméra, de la pellicule. Et on fait un pur chef-d'œuvre. On peut faire un pur chef-d'œuvre. C'est pas ça qui va faire un pur chef-d'œuvre, hein, entendons-nous bien. Mais qu'on nous emmerde pas trop avec la nouvelle technologie. Pourquoi nouvelle technologie? Parce que c'est une question de pognon, c'est une question qu'il faut vendre, c'est comme les bagnoles, au bout de 5 ans, il faut la vendre. Et puis c'est toujours pareil, quoi, c'est la société dans laquelle on est. Bon, bah merde, excusez-moi de dire des gros mots, mais je peux pas m'en empêcher. Bon. On a parlé du son, la musique, des bruits, des pas, etc. Mais chez vous, il y a une grande musique du silence. J'aimerais que vous... Bah, c'est-à-dire que, Michel, le silence, il est aussi important que les bruits, obligatoirement. Parce que le silence, quand il y a un silence, d'ailleurs, c'est jamais vraiment, vraiment, vraiment silence, parce qu'il y a toujours un peu d'air, dans le fond, vous voyez, ça a autant de force. Vous voyez, le silence est quelquefois plus selon la séquence, selon les plans, j'en sais rien, vous voyez, qu'un bruit de pas ou j'en sais rien, vous voyez. Le silence, c'est très important. S'il n'y a pas de silence, je ne sais pas, parce qu'effectivement, vous me posez une question là, il me semble avoir lu des critiques, là, dernièrement, de mon dernier film, où on parlait beaucoup du silence. Je sais, oui, le silence, c'est aussi important que le son. C'est le silence fait partie du son, si vous voulez. Voilà. La dernière question, c'est, vous avez une expérience télévisuelle, ouais. La fortune de Gaspard, d'après la comtesse de Ségur. Ouais. Quand on regarde ce film, il pourrait être très bien projeté sur un grand écran, c'est Dublin, à l'exception de la comtesse de Ségur, puisque tous vos scénarios jusqu'ici sont originaux, soit écrits en solo, vous, ou bien en collaboration. Mais à part la comtesse, c'est quand même un travail qui est du pur Gérard Blin. Alors, quelle a été cette expérience pour vous à la télévision? Ça a été une expérience assez positive. Très bien. Il a fallu se bagarrer, comme toujours, pour avoir un certain financement, suffisamment d'argent, parce que c'est un film qui se passe à la fin du 19e. Bon, il y avait les décors, les costumes. Bon, c'est un petit peu plus coûteux, bien sûr, que si on tourne un film dans Paris contemporain. Mais ça s'est très bien passé. Moi, j'ai une équipe très bien de télévision. Ce qu'il y a, c'est que... Bon, cette équipe de télévision, moi, je ne les connais pas, et il faut bien tomber, vous voyez. Alors, non, là, j'ai rien à dire, sauf que c'est quand même un film qu'avec des acteurs, celui-là. Oui. Voilà, qu'avec des acteurs. Mais bon, comme c'est un dialogue un petit peu quand même, pas artificiel, mais un petit peu écrit, la comtesse est sûre, bien qu'on l'a réécrit à deux, les acteurs... C'est des personnages, vous voyez, non, ça, j'ai pas grand-chose à dire, je l'aime bien, mais c'est tout.
tout fait. Ils m'ont jamais redemandé de faire un film, parce que, comme tous mes films, comme tous les films, il n'a pas marché. Il est pourtant passé à 20h30, il n'a pas marché. Bah, qu'est-ce que vous faites ? Moi, quand je vois les conneries à la télévision, on est... Enfin dans la foule, c'est le film le plus autobiographique de mes films. Mais en même temps, c'est pas une succession d'anecdotes, vous voyez, parce que l'autobiographie, ça veut dire que c'est les choses qu'on a vécues. Si on ne dépasse pas les choses qu'on a vécues, vous voyez, si vous voulez, si on ne transpose pas, c'est pas intéressant, vous voyez. On est sur son nombril, on raconte la vie, ceci et cela. Alors un enfant dans la foule, c'est, en fin de compte, si on doit résumer le film, c'est l'histoire d'un désert affectif dans lequel ce gosse vit, n'est-ce pas ? Et dans Un enfant dans la foule, j'ai vécu certaines scènes, d'autres j'en ai pas vécu. Alors là, évidemment, avec la mère, avec la sœur, c'est une bonne... Là, je peux vous répondre facilement, vous voyez, en vous disant, oui, ça c'est vécu, ça c'est pas vécu, ça c'est transposé, ça... Mais par exemple, le rebelle, ou j'en sais rien, ou Pierre et Djemila, j'ai jamais vécu ça, vous comprenez. Alors, s'il passe une émotion, je reviens toujours à la vie, s'il passe une émotion, quelque chose, une sensibilité, tout ça, c'est parce que, je sais pas, parce que je le sens et j'arrive à le faire passer. Il y a une très jolie scène qu'on n'a pas pu passer aussi, c'est quand il est dans le petit train. Je suis navré s'il y en a beaucoup. La merde, voilà, la dernière, merde, d'accord. Ah, c'est comme Truffaut, alors, qui me faisait chier avec ça. Parce que je lui demandais, justement, je lui demandais, quand on tournait les mistons, je descendais de train, je sais pas trop quoi, et je lui disais, ben, fous-moi une marque, fous-moi une crêpe, puis je vais m'arrêter là, je vais pas... Et alors, il a dans son bouquin, il a dit, oui, Gérard Blin était insupportable, parce qu'il demandait des marques par terre, pour savoir où il fallait qu'il s'arrête. Ben, pour le chef opérateur, c'était normal, pour le cadre, en fait, il comprenait rien, il savait rien. Non, le seul mythe que j'aime, qui peut me faire rêver, si vous voulez, parce que moi, je suis plutôt un idéaliste. Malheureusement, j'ai une conscience idéologique, c'est tout. Je ne suis pas quelqu'un qui croit beaucoup dans l'homme, parce que, bon, pour des raisons, je suis pessimiste plutôt. Et c'est vrai que Guevara, pour moi, est presque un nouveau Christ des 50 dernières années, vous voyez. C'est Don Quichotte, un gars qui rêvait à un monde formidable, merveilleux, c'est ça. J'ai lu beaucoup de livres sur lui, et voilà pourquoi j'aime Guevara, vous voyez. Parce que c'est un idéaliste qui était à côté de la plaque aussi, parce qu'il croyait qu'il allait améliorer le monde, enfin, vous voyez, bon, tout ce qu'on sait sur Guevara. Voilà. Et les communistes qui ont essayé de le récupérer, qu'ils récupèrent, paraît-il, dans leurs fêtes et tout, en fin de compte, sa cassure avec Castro, elle vient qu'il n'était pas d'accord avec les communistes et avec Castro à l'époque, vous voyez, mais enfin, on ne va pas parler. Dites-moi, je vais vous répondre ce que Voltaire a dit, parce que j'ai quand même un petit peu de culture, probablement. Voltaire a dit, Dieu et moi, nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. Moi, on m'a beaucoup comparé à Bresson, parce que dès le début, comme j'aimais beaucoup Bresson, j'ai beaucoup parlé de lui quand on me demandait quel est le metteur en scène. J'ai dit Bresson. Alors la plupart des gens, souvent, on pensait que Bresson, c'était mon maître, mon Dieu, que j'essayais de l'imiter. Alors que Bresson est complètement inimitable. Ouais. D'abord par ses thèmes, par ce quoi il croit. C'est un chrétien, c'est un catholique pas très orthodoxe, mais un peu à la Bernanos, vous voyez, qui est plus fasciné par le diable que par Dieu, etc., etc. Alors que moi, je suis complètement le contraire. Alors, comme j'ai tellement parlé de Bresson, on a dit,
Blin, c'est son père spirituel, c'est Bresson, c'est son père spirituel, c'est son maître, c'est son... Alors que s'il y a un metteur en scène qui n'est pas imitable, c'est bien lui. À la limite, on peut imiter plus Renoir ou d'autres metteurs en scène, ou enfin, quand je dis imiter, trouver des choses que Bresson. Alors bon, alors dès qu'on dépouille, dès que c'est simple, qu'il n'y a pas d'acteur important connu, alors paf, allons-y, c'est du Bresson. Et en plus, comme j'en ai beaucoup parlé, alors il n'en faut pas plus, mais souvent aussi, moi, dans certaines critiques, j'ai vu le nom d'Odozu pour mes films. Je suis extrêmement pessimiste parce que si le cinéma doit rester sur les sujets que malheureusement les jeunes, malheureusement, moi je suis plutôt pour les jeunes à fond, j'aimerais que ça soit, mais malheureusement quand je vais voir les nouveaux films des jeunes, ben, j'en sors sans beaucoup d'émotion. Alors, c'est pas qu'il faut à chaque fois au cinéma que c'est pas les films où il y a beaucoup d'émotions qui sont les meilleurs, mais je veux dire, je sors sur des films où les gars se regardent le nombril, hein, parlent de leurs problèmes, se font, même dans leur premier film, paf, ils se jouent un rôle, là, le film de Beauvois, là, bon, alors il se fout, en plus, il nous fait croire qu'il est un étudiant à 18 ans, il en a 26, hein, alors, personne ne voit qu'il a l'air plutôt d'avoir 26 ans que 18 ans, puis plein de choses fausses comme ça. Alors, bon, encore là, ce sont des mots, il faudrait voir les films, les choses, et puis que moi, je puisse discuter et là-dessus, voyez. Quand je vois, je ne sais pas, bon, quant au cinéma américain, n'en parlons pas, c'est d'une grande cochonnerie. Vous voyez, c'est pour conditionner tout le monde. D'ailleurs, il envahit le monde entier, la planète. Et ça a été l'Angleterre, ça a été l'Italie, ça a été, pas l'Italie, l'Allemagne, ça a été, maintenant c'est la France. Hein. Et ben voilà. Alors non, moi le cinéma, moi pour moi, il est en... Un certain cinéma est en voie de disparition. Mais lequel ? Ben, le cinéma qui est chez lequel je fais... Bresson, bien sûr, mais Bresson, il a 95 ans, alors c'est pas... Mais un cinéma je sais pas, c'est très... Tout le cinéma qu'on voit, je veux dire, on voit pas une porte de sortie... Quand on aille voir, pourquoi les gens, si vous me demandez pourquoi les gens vont voir Independence Day et font un malheur sur la planète entière, ça prouve que tout le monde se ressemble et que tout le monde va avoir les mêmes conneries. Hein ? C'est Independence Day ou c'est Seven ou c'est Casino de Scorsese. Pourtant, Scorsese, il a fait des trucs pas mal. Pourquoi il fait ça maintenant avec une musique infernale et terrible ? Parce qu'il sait que c'est là où le public va filer ses 50 balles pour rentrer au cinéma. C'est pas autre chose. Alors, quand on voit tout ça, on se dit, où va le cinéma? Qu'est-ce qui va devenir? Moi, j'en sais rien, en fin de compte. Comment? Ah non, parce que vous prenez le peuple pour des abrutis. Moi, quand je dis cinéma populaire, c'est le peuple avec ceux qui ont une espèce de dignité de faire partie du peuple. Hein, peuple, populaire, bon. Alors vous, populaire, parce que c'est les conneries, alors eux, ils vont aller voir... Non, c'est un cinéma commercial, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Là, vous vous trompez. Le peuple a plus de cœur et moins abruti que beaucoup, vous comprenez? Bon, il va voir ça d'abord parce que la culture, les gouvernements et tout veulent les endormir, veulent endormir tout le monde avec les soucis. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine guerre économique quand même, merde. En pleine guerre économique. Les 3,5 millions de chômeurs, dont 1,5 million de 18 à 23 ans ou à 24 ans, les jeunes et tout. Alors là, je dévie encore, vous voyez. Mais non, mais il ne faut pas dire ce qui est populaire, c'est les films qui sont le plus commerciaux. C'est pas vrai, c'est parce qu'on les a éduqués comme ça, peut-être, on les a éduqués, mais le peuple, il n'est pas à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas que le peuple, il n'y a pas de truc, parce que tous les bourges, tous les beaufs, tous les bourges, ils se précipitent tous aussi dans ces conneries. Il y a des films iraniens formidables. En fin de compte, tous ceux qui ne sont pas pollués
pollué par les sociétés de consommation et par l'américanisme, par l'Occident même, vous voyez, par le pognon. Et des films, je ne me souviens plus quel film martiniquais fait par une femme qui s'appelait, je ne me souviens plus, qui était formidable. Des films iraniens dont j'oubliais le titre, l'histoire d'une petite fille, et des gens connaissent, oui, là, ça me vient, mais bien sûr, et c'est les meilleurs en plus. Parce qu'ils ont gardé, quand on voit les films d'Ozu, ou de Satyajitray, ou de... mais la forme est pareille que vous voyez, on filme tous simplement, quand on voit le joueur d'échecs ou le salon de musique de Satyajitray, bon, ben, c'est la simplicité même, je veux dire. C'est l'émotion. Oui, l'émotion vient de ce qui est tourné, comment c'est tourné, mais simple. Et nous, on a perdu tout ça. Ah oui, parce que moi, j'aime les autres, vous voyez, j'aime l'autre. Mais quand je dis j'aime l'autre, j'aime les autres, c'est pas d'une manière chrétienne, parce que les Curtons, à force d'aimer tout le monde, ils aiment personne, en fin de compte, vous voyez. Sur la cathédrale de Bourges, tout en haut du machin, il y a un pélican, vous voyez. Alors moi, je vais vous dire d'où je tiens le titre. C'est qu'il y a une très belle poésie dans la nuit de mai de, comment il s'appelle déjà ces îles, Musset, voilà, que je connais très bien. La nuit de mai, c'est la muse qui parle avec le poète, ou je ne me souviens plus trop quoi. Et comme vous le dites très justement, le pélican est le symbole de l'amour paternel, et cette très belle poésie commence lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, retourne à ses roseaux. Ses petits affamés courent sur le rivage en le voyant ainsi s'abattre sur les eaux. Et en fin de compte, c'est lui qui va chercher à bouffer pour les enfants, hein, qui va les nourrir, et quand il rapporte rien, il se laisse dévorer par ses enfants. Voilà. Monsieur. Et moi, je veux bien me faire dévorer par mes fils, si... Voilà. Mais je suis quelqu'un, voyez. Vous voyez, c'est ça, en fin de compte, l'amour, le pélican. Alors, je ne me souviens plus exactement si c'est la... Mais ça doit être la poésie de Musset qui m'a d'abord fait penser au côté christique, christique, vous voyez, du pélican, puisque, comme vous le dites, c'est effectivement aussi ce symbole, vous voyez. Voilà. Écoutez, il va nous rester à remercier Gérard Blanc. Ah, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous d'être venus.